C'est marrant, hein, n'est-ce pas? Bon, eh bien, salut à toi, c'est Cachemédine. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plusieurs parties de vidéo, je dirais. On va commencer évidemment par cette zone. Donc, on a fait le repiquage et on va aller poser ça. Tranquillement, où on a repiqué toutes les fleurs dans cette zone de bzz, 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 bzz. Voilà, donc ça va bzz, bzzter forcément. Et puis on va aller se semer aussi quelques radis, ça va être sympatoche. Et puis on va mettre en godet, on va se repiquer, on va se semer en godet des petits navets boules d'or. Comme ça, on fera pas de rue, on fera pas plein de navets, on fera ça correctement. Donc, on va semer aussi des navets boules d'or. Donc, voilà. Et puis, une petite surprise aussi, hein, de ce que j'avais réalisé entre-temps, parce qu'on ne s'est pas trop vu. Parce que, bon, je vais vous expliquer juste une petite chose, on va mettre ça au clair, hein. Bon, sur cette vidéo, il y aura plusieurs parties de vidéo. Et je tiens à vous annoncer aussi que ben, vous ne me verrez pas actuellement en live sur ben, aucun jeu, en fait. Hein, parce que ben, j'ai plus de console. Donc voilà. Donc, on ne se verra plus sur console actuellement. Ce sera ultérieurement. Donc plus de live, forcément, ça vous devez le comprendre. Et la petite Kenza, elle vient, elle participe à la vidéo. Salut Kenza. Ouais, donc voilà, donc il n'y aura pas de live gaming, tout ça pour l'instant. Et puis ben, je me tâte parce que ben, déjà je peux pas faire de live téléphone. Parce que il y a encore une loi qui avait passé là, il n'y a pas si longtemps que ça. Avant c'était l'article 17, mais maintenant c'est passé en article 13, comme vous le savez très bien. Ben, ils nous ont répondu que. On ne peut plus faire de live avec son téléphone portable si on n'a pas les 1K. Donc moi c'est réglé, on passe à la moulinette. Hein. Donc c'est comme ça. Donc on verra pour le gaming, ce ne sera pas pour l'instant les copains. Désolé, il n'y aura plus de live actuellement. Donc voilà, et puis ben, dernière petite création aussi qu'on va laisser se poser. Hein, c'est plutôt sympa, hein. La petite, mon précieux, ils nous l'ont volé. Voilà, on va aller poser ça. C'est en fait, eh ben, tout simplement, c'est un petit nid à osni. Ce sera pour les osni. Donc j'espère qu'elles vont venir y faire quelques petits jeunes. Hein. Voilà. Moi, ouais, je me suis mis un petit champignon sympa parce que c'est un autre côté de l'autre côté de la route. Donc, ils verront un petit champignon, au pire. Ils seront, mais il y aura ça. J'espère que les osniers, elles vont. Voilà, donc j'ai ma propre boule. J'ai ma propre Dragon Ball. La septième. Septième Dragon Ball, c'est moi qui l'ai. Donc, si j'ai envie de faire un vœu, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire. Hein. Si vous souhaitez faire un vœu avec cette septième boule de cristal. Voilà, donc ben on y va, on va aller mettre tout ça, hein, et on va aller semer tout ça, et puis on va aller faire voir aussi la petite vidéo pour cette zone de but. Allez, on y va, c'est parti, let's go. Je reviens. Bon, donc alors voilà. Alors, les copains, on y va sur le semage de navets boules d'or. Hein? Ok, on y va. Donc on n'oublie pas non plus son petit. Ah, toujours. Ça, je l'ai toujours. D'ailleurs, je vous le mettrai peut-être
Ben, en lien, je vous posterai un petit lien, ça c'est très pratique, ça coûte pas très cher, j'ai vu ça sur Wish ou Joom, je sais plus, j'irai voir, je ferai un petit tour et je vous le mettrai en description. C'est franchement, c'est très pratique. Vous allez comprendre pourquoi après, vous verrez. Moi, il a une multifonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se remplir cette barquette là, hein. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà, je fais un côté comme ça. Hop. Mon propre mélange, c'est plus simple, je trouve. C'est ce qu'il y a dedans. Allez, voilà. Ce qu'on va faire, si on va fusionner, reste un peu de terre. J'en ai pris pile poil à peu près. Toute façon, comment dire? Donc voilà. De toute façon, c'est pour repiquer. Donc, je prends pas la tête. Je sais pas moi, un truc qui traîne, ça, tu vois, un truc qui traîne, tu vas faire tes petits, voilà, tu vas faire tes petits trous. Voilà, on est bien là, on est au calme, on apprécie. Voilà, les petits trous ils sont faits, je peux pas te les faire voir parce que bon, t'as très bien compris, tu fais, je sais pas, allez, tu vas faire un trou d'un bon centimètre, c'est tout. Bon, l'utilité, comme je vous disais, de ça, c'est ça. Les graines elles descendent bien. Voilà. On se dit écolo, mais un sachet dans un autre sachet, ça devient du n'importe quoi. Mettez-le aussi dans l'espace commentaire, tiens, ce que vous en pensez des sachets dans les autres sachets. Sous notre gueule des fois. Voilà, bref. Voilà. Et puis ben là, tu prends un petit truc vite fait pour prendre. Non, même tu les mets dans ta main. Même. Parce que t'as pas besoin d'en mettre je ne sais combien. Parce que souvent on sème en rue. Et après on sait plus pour le dédoublage, tout ça. Tu fais les petits godets, c'est nickel, t'as plus qu'à repiquer, basta. Tu vois? Des doubles déjà toi-même dans le petit godet, comme ça t'es tranquille après. T'as pas un de ces trifouillages à faire. Hein? Tu comprends le principe du. Comme ça tu dédoubles déjà dans ton propre godet. Et t'as plus qu'à repiquer. Voilà. Donc pour le côté navet, c'est terminé. Navet boule d'or, donc maintenant tu as mis tes graines, tu
tapotes légèrement, légèrement. Tu tapotes légèrement, que ça puisse recouvrir un tout petit chouïa. Chouïa. Comme ça. Voilà. Et après, il n'est pas là, forcément. Bon, j'aurai mon vaporisateur. Je m'en sers souvent ici, mais là, il est reparti dans l'autre couche, je pense. Pardon, excusez-moi. Tu vaporises assez, assez, je dirais. Et puis, bah, tu laisses comme ça, en plein jour, comme ça. Tu mets ça dans une petite couche. Et après, il te reste plus qu'à dédoubler. On verra quand ça aura poussé. Au pire, je ferai un petit truc sur le dédoublage. Si vous voulez une petite vidéo sur le dédoublage, bah, dites-le aussi dans l'espace commentaire. C'est fait pour parler, l'espace commentaire. C'est fait pour poser les questions, tout ça. On va faire comme ça. Voilà. Donc pour les navets boules d'or, c'est terminé. Ça, c'est OK. Le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles. Ce sont de petites merveilles. Psst, psst, psst. Le chant des abeilles. Le chant des abeilles. Elles sortent en plein soleil et emportent le pollen. Psst, psst, psst. Le chant des abeilles. Le chant des abeilles. Dans la ruche, elle sommeille et nous prépare du miel. Psst, psst, psst. Le chant des abeilles. La la la. La la la. Le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles. Ce sont de petites merveilles. Psst, psst, psst. Le chant des abeilles. Le chant des abeilles. Elles sortent en plein soleil et emportent le pollen. Psst, psst, psst. Le chant des abeilles. Le chant des abeilles. Dans la ruche, elle sommeille et nous prépare du miel. Psst, psst, psst. Le chant des abeilles. La la la. La 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 la. La 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 la. Et pour combler un peu le tout dans cette vidéo, eh bien écoutez, je vous propose qu'on aille mettre les radis. Allez. Donc on y va.
coup, on va avoir besoin de... Ça c'est good, ça c'est très bien, j'ai bien fait de le fabriquer, ça me sert souvent. Tout mettre, pas mettre tout le paquet, ça sert à rien, tu vas les gaspiller, tu comprends ce que je veux dire? Bon, c'est bien. Maintenant on va recouvrir.
donne le repos partiel. Parce que c'est... Voilà. Bon. Je mets, parce que je soumets des points rouges ici. Voilà. Et... Là c'est très bien, là c'est très bien. Du coup, j'ai mis les radis entre les poireaux que j'ai semé de la poirette. En passant, on va faire un petit tour dans le jardin. Et voilà, cette vidéo sera presque terminée. Donc alors voilà, comme je te disais, j'ai semé les radis entre la poirette, on appelle ça de la poirette parce que quand on la sème, on appelle ça de la poirette qui finit forcément en poireau, mais là ça reste de la poirette. Donc apparemment elle a pris cher hein. Avec le soleil, il y a des petits bouts cramés on dirait, je sais pas, mais je crois que j'ai fait trop de rue. Bon, on va laisser comme ça, on verra bien ce que ça donne, mais il y en a qui ont fait la cramette hein, je pense hein. On a mis ça là. Ici là c'est un chou de Bruxelles. On verra ce que ça donne aussi, Inch'Allah, pour les choux de Bruxelles, ça sera bien. Et là, les frites, elles ont poussé depuis. Les frites, là, ça, c'est bon, ça, les frites. Là, ici, on a mis la citrouille. Là aussi, les choux de Bruxelles, bim, bim. Là-dedans, dans les bouteilles, c'est les courgettes marocaines, parce qu'on les protège encore, il fait encore un peu frais. Voilà. Comme ça tu fais le tour du jardin, la menthe là-bas au bout que je t'ai déjà présenté, et la rhubarbe qui commence vraiment à devenir comment te dire, big, mais big hein, c'est bien, moi je kiffe, c'est cool. Puis je remarque qu'entre mes carottes, en fait, tu peux le constater, c'est rigolo parce que en fait, regarde, il y a même de la salade qui pousse, tu vois. Tu comprends le truc, tu vois. Les carottes, regarde, elles arrivent là, regarde. Là, tu vois. Là, les carottes, elles arrivent et il y a même la salade. C'est bien, c'est bien. Je suis content. Voilà, donc ouais, je disais, la rhubarbe, elle commence à être très belle. Hein. Je pense qu'on va avoir des beaux bâtons. Ça promet pour la tarte. Pour la tarte à la rhubarbe, ça promet. Inch'Allah. Si, ça va être bien, ça va être bien. On verra pour plus tard. Là, il y a encore les salades. Là, c'est le radis aussi. Là, on protège. Et puis, ben, j'avais commencé à mettre les haricots. Bon, au milieu, en grand, tu vois, c'est les oignons. Ça a bien poussé, les oignons. Bim, 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 bim. Attends. Bim. Oui, ils ont bien poussé les oignons. Voilà. Les oignons, c'est nickel. Ça, c'est pris. Bon, les haricots, j'ai récupéré des haricots aussi. Des haricots beurre du Maroc, pareil, mais ils ont pris cher. Ils ont jauni, hein. Apparemment, pas tous. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Puis comme tu peux le constater aussi, les petits pois, ben, ils ont bien grandi. Du coup, on a tendu une ficelle pour les petits pois. C'est pas beau ça. Ça va monter encore hein. Mais bon, là ça a jauni, c'est dommage. On verra ce que ça donne, on verra bien si ça reverdit un peu. Puis la salade. Bientôt on va manger la salade là, ça va pas tarder. Et puis je suis très content, la petite surprise comme je vous ai parlé par rapport aux fleurs là, de ma petite tour de fraise. Et ben voilà, les fleurs elles arrivent. Les salades, elles sont belles, hein. Franchement, on va les apprécier, je crois. Je suis très content. Oh ben regarde. Salut toi, petit pépère. Il se promène. Donc ouais, il commence à y avoir les fleurs. Les fleurs qui. Là, ici, là, ça commence à. C'est bien, c'est bien. Si ça continue à pousser comme ça, c'est que les racines, elles sont faites. Les racines, elles sont faites parce que regarde au milieu, là, tu vois. Au milieu. Ça reprend
il y a autre chose qui reprend là ici. Là, c'est pareil. Là, il y a les fleurs qui arrivent. Ici aussi. Non, c'est bien. Franchement, je suis très content. Je suis très content. Là, il y a encore les radis, encore, et les salades, toujours. Elles sont superbes. Elles sont superbes. Bon, ben là, voilà, cette vidéo s'achève. Cette vidéo s'achève et tu verras. La 7e Dragon Ball, elle est là-bas. Donc si tu veux faire un vœu, viens la chercher. Hein. Ça, ce sera pour une future vidéo. Et ouais, désolé, je passe poil. Le chien qui se promène. Voilà. Allez. J'espère que cette vidéo, elle te fera plaisir. Bon, alors voilà, nous revoilà. Donc eh ben, écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. J'espère que tu seras content de ce contenu. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Le pouce magique, évidemment, si ça t'a plu. Hein. Et puis bah, moi sur ce, bah, je te dis ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.